Et parce qu'il faut toujours être bien connecté aujourd'hui pour bien pratiquer ses passions, la tendance est au développement de la montagne numérique avec une nouvelle appli qu'on vient vous présenter ici avec Timothée. Bienvenue. Bonjour. Tim, ça va très bien. avec donc cette application, alors Whymper, on écrit ça W-H-Y-M-P-R, c'est un petit clin d'œil d'ailleurs. À Edward Whymper, le pionnier, un des pionniers de l'alpinisme, de l'âge d'or de l'alpinisme, il y a 150 ans, qui est venu à Chamonix et qui a commencé à gravir avec les guides chamonnières et d'autres, l'aiguille verte ou le matin, le cervin. Et qui repose au pied de Chamonix d'ailleurs. C'est ça. Et enfin au pied du Mont Blanc, et vous avez enlevé le... Ben oui, pour faire aussi le petit clin d'œil numérique, hein, on connaît les Flickr, les autres apps de ce monde, donc voilà, on voulait faire un lien entre l'âge d'or de l'alpinisme et nous on veut être quelque part l'âge digital de la montagne. C'était voilà. Malin, c'était bien vu. Qu'est-ce que c'est que cette application Whymper? Eh ben, en gros, cette application c'est une app communautaire pour les pratiquants d'activités de montagne. Et l'idée de base, en fait, ça vient de nous, d'un besoin, c'est d'avoir un endroit où on peut trouver toutes les informations dont on a besoin pour trouver des idées de sortie et pouvoir sortir en sécurité aussi. On sait plus on a de la bonne info, plus on va pouvoir sortir en sécurité. Donc, c'était un point important. Alors, ma question qui est très ignare, parce que moi, je ne pratique pas la montagne comme sûrement aussi votre clientèle, mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà beaucoup de choses qui existaient dans ce domaine-là? Mais en fait, il y a des apps qui existent. Il y a des grandes apps hein, qu'on connaît, comme les All Trails, les Visorando, mais qui se concentrent plus sur, disons, vraiment de la randonnée grand public. Même si Visorando, c'est un peu plus technique. Maintenant, il n'y avait pas vraiment de solution pour l'activité montagne. Enfin, moi, je ne suis pas un pro, hein, mais je touche un peu à tout en fonction des conditions. Je vais aussi bien randonner que faire de l'escalade, du ski de rando ou de l'alpi à mon petit niveau. Et en fait, on s'est rendu compte que pour toutes ces activités, peu importe le niveau, on a besoin d'une information similaire, c'est-à-dire des descriptions d'itinéraires, de la carto, de la météo, d'un bulletin d'avalanche. Et aujourd'hui, on doit piocher dans plein d'endroits différents, dans son livre de topo, sur Internet. Et en fait, l'idée, c'était vraiment juste de simplifier ça et autour d'un cœur communautaire. Donc, on va retrouver, disons, un format Facebook parce que l'information communautaire, ça a son importance aussi pour connaître les informations fraîches. Est-ce que le chemin passe, s'il y a une rimée ou pas. Et voilà, utiliser ça, pas juste comme, disons, de l'ego trip, c'est-à-dire se mettre en avant, mais vraiment, c'est une information en plus des autres informations. C'est-à-dire que l'information, elle est donnée par les pratiquants qui publient, comment ça se passe? Vous avez un filtre? En fait, à la base, nous, on agrège du contenu. Donc, on prend de l'information de différentes sources de qualité. Donc, par exemple, on est en partenariat avec les offices de tourisme de Savoie-Haute-Savoie. Donc, on a toutes les données. Dès que quelque chose est mis à jour, c'est mis à jour chez nous. Ou encore, on travaille avec des sites comme Camp2Camp, par exemple. Ou même des éditeurs professionnels à qui on digitalise le contenu. Des éditeurs de topo, les 50 meilleurs randos autour d'Annecy ou les meilleures escalades autour de Chamonix, où on va vendre ce contenu pro. Et en fait, l'app, c'est un mix de tout ça. C'est-à-dire une app de base qui est gratuite. On va accéder à plus de 100 000 itinéraires, de la carto, tout le côté social. Et après, nous, notre modèle, c'est de vendre des services à valeur ajoutée. Si on veut vraiment profiter de l'app, il faut payer 30 euros par mois. Si on veut les cartes, c'est 20 euros par mois. Ou acheter des topos professionnels à 2-3 euros au lieu d'aller acheter un livre en librairie à 30 euros, par exemple. Vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure? Vous êtes... Il y a une cordée? Oui, on est une petite cordée encore pour l'instant. Mais à la base, j'ai créé ça avec mon cousin Xavier, qui est chamonnière d'origine, mais qui maintenant est à Copenhague. Moi, je suis à Chamonix et on a Nick, notre développeur, qui est aux Ouches. Donc voilà, c'est un peu local. Et maintenant, on a aussi une personne sur Toulouse et une personne à Lyon aussi. C'est un véritable scan, en fait, que vous proposez en temps réel? Alors, on le voit sur votre appli, en fait. Voilà, on a c'est plein... extrêmement précis. C'est précis. Après, ça dépend du niveau de carte. Donc, par exemple, on peut acheter la carte hygiène, comme sur d'autres applications, ou accéder à une carte 3D pour voir où est-ce qu'on se localise en montagne. L'idée, c'est vraiment de faire une plateforme simple et intuitive où on peut, en fait, jouer avec tous ces différents éléments pour avoir la meilleure information possible. Mmh. En temps réel également, c'est-à-dire avec toutes les données du jour, les actualisées. Oui. Ce qui est intéressant, c'est d'un côté ce côté communautaire. Donc les gens postent leur sortie, donc on voit ce qui se passe sur le terrain. On peut parler avec eux, on peut suivre les gens, avoir des notifications. Après, nous, on a par exemple un partenariat avec Météo Blue, donc qui nous permet de donner de la météo au sommet, ce que personne d'autre fait aujourd'hui. Ou encore, on relaie les bulletins d'avalanche de Météo France ou même des avalanche.org aux États-Unis. Donc en fonction d'où vous vous localisez, l'app le saura et va vous montrer le bulletin d'avalanche du moment ou bien le bulletin d'avalanche du sommet que vous visez ce week-end, par exemple. Est-ce que vous avez moyen de
pouvoir estimer la fréquentation? Est-ce que c'est plus en période estivale, hivernale? Quelle est la répartition un peu des accès? Bien sûr, on suit ça de près. Ben, aujourd'hui, en fait, ça suit le monde de la montagne. Hein. Quelque part, moi, habitant à Chamonix, c'est un peu la même activité. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse activité janvier, février, mars. Après, un autre gros pic juillet, août, septembre, avec, disons, un peu plus calme, ben, là, quand on va arriver en octobre, novembre. Et est-ce que votre appli va aussi permettre de juger, on va dire même de jauger l'itinéraire avant d'y aller? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un aspect sécuritaire qui est même primordial dans votre appli? Je ne sais pas si c'était le but. Oui, c'est primordial. Et nous, bien sûr, hein, on ne peut jamais garantir la sécurité. C'est la montagne, c'est un monde dangereux. Mais plus on a de la bonne info, plus on va pouvoir sortir en connaissance de cause. Même en cours d'itinéraire? Même en cours de rando? Par exemple, un point important, c'est pouvoir enregistrer la sortie qu'on veut faire hors ligne, donc avec la carte, le tracé, si on l'a, les descriptions. Ça, quand je suis en montagne, si je n'ai pas de réseau, si je me retrouve dans un nuage, au moins je peux avoir une idée, consulter mon point de géolocalisation par rapport au fond de carte, par rapport au fond de carte hygiène. Donc ça, c'est des aspects très importants. Et aussi, tout l'aspect, disons, sécuritaire, aujourd'hui, on essaie de le mettre en mode gratuit. Donc par exemple, les inclinaisons de pente en France et en Suisse, ça, c'est en mode gratuit. Ça, c'est important en ski de rando, hein, pour arriver à étudier le terrain, pour voir le risque d'avalanche. On sait qu'au-dessus de 30 degrés, il y a un risque d'avalanche en termes de degrés de pente. Donc voilà, tout ce qui est lié à la sécurité et aussi même à l'environnement. On a par exemple fait un lien avec la base de données Biodiv, qui référence toutes les zones protégées des oiseaux, où il ne faut pas passer en ski de rando pour pas déranger les lagopèdes et ce genre de choses. Donc ça, par exemple, on peut rapidement le mettre sur le fond de carte pour être sûr qu'on prépare son ski de rando, on ne va pas passer dans ces zones-là. Sans se substituer pour autant aux accompagnateurs ou aux guides. Ça, c'est important, non. C'est un complément. Ouais. Clairement, on n'est pas du tout un Uber du guide, on n'est pas là pour remplacer le guide. D'ailleurs, on le rappelle souvent sur l'app, on dit, si vous n'êtes pas, disons, autonome, on vous conseille de prendre un guide ou un accompagnateur. Donc, c'est de l'information, de la préparation. On a même des guides qui l'utilisent aujourd'hui et ça leur fait quelque part leur carnet de course ou peuvent même regarder ce que leurs clients ont fait pour se rappeler à quel niveau ils en sont ou quelle montagne ils ont gravi déjà. Combien d'itinéraires sont disponibles et sur quelle zone géographique ? Aujourd'hui, on doit être à 120 000, hein, ça grossit de plus en plus on rajoute des bases de données. Et la zone géographique, c'est mondial. On a, par exemple, fait un partenariat avec USGS aux États-Unis, on a 40 000 itinéraires aux US depuis assez récemment, mais de manière plus exhaustive, disons, c'est vraiment les Alpes et les Pyrénées. Avec peut-être un développement futur Ou est-ce que vous voulez finalement rester ciblé sur les Alpes, sur l'arc alpin en tout cas? Non, clairement, l'objectif à terme, c'est de devenir la montagne de référence dans le monde. On a toujours ciblé le très haut sommet, sachant que nous, avec notre modèle, avec des abonnements à 20 ou 30 euros par an, il nous faut de la masse. C'est des abonnements qui ne sont pas très chers. Donc clairement, nous, on considère qu'on pourra devenir rentable le jour où on est vraiment utilisé à un niveau mondial. Mais j'ai envie de dire, est-ce que plus globalement, est-ce que ce n'est pas l'app aussi qui manquait pour avoir vraiment l'information la plus complète, la plus fiable, la plus détaillée pour la sécurité en montagne? Parce qu'on sait qu'il y a souvent une multiplicité d'informations. Et chaque année, malheureusement, on dénombre toujours à peu près le même nombre de morts. C'est une constante de morts en avalanche, bien sûr. C'est une constante, même s'il y a davantage de pratiquants et davantage de risques. Donc, on peut dire qu'il y a un progrès, mais est-ce que votre application peut être aussi une solution vraiment à l'information? Nous, c'est un de nos objectifs. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que vous prenez Wimper et vous êtes en sécurité, mais clairement, c'est rajouter toutes les briques au fur et à mesure, encore en début du projet. Donc, on a des briques à rajouter. Si vous regardez le produit il y a 2 ans par rapport à aujourd'hui, mais dans 2 ans, il sera encore mieux. Mais c'est clairement un des objectifs. On a par exemple un partenariat avec la Chamoniarde, donc l'Office de haute montagne, qui poste ses bulletins sur l'app. Aujourd'hui, ils ont plus de 200 followers qui tout de suite reçoivent une notification quand le bulletin sort. Donc vraiment, c'est par la technologie, parce qu'il y a beaucoup de choses très bien qui se font, comment est-ce que nous, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice? Là, on parle de sécurité. Le but, c'est aussi le plaisir. Aussi, c'est de bonifier vraiment son projet de sortie. Et c'est vraiment le but premier. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir trouver la sortie adaptée. Moi, une des fonctionnalités que j'adore, c'est pouvoir filtrer rapidement. Donc, on a 100 000 points d'intérêt. On est un peu effrayé quand on voit la carte et toutes ces options qu'on a autour de nous. Mais pouvoir filtrer, dire moi je veux faire une rando facile ou je veux grimper en 5C, et tout de suite, toc, je vois les falaises où je peux aller pratiquer. Donc c'est pour les nuls comme moi ou pour les pros et les pratiquants très chevronnés? C'est pour tous les amoureux des sports de montagne. Non mais c'est vrai, c'est une référence, une aide qui nous permet aussi d'aller plus loin.
Tout à fait. Bah, on vous souhaite plein de chances, de succès, de réussite, bien évidemment. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de... Alors, vous qui, justement, êtes monsieur digital et en particulier sur les réseaux sociaux, c'est une appli qui peut avoir de l'avenir. Et aussi, pour le développement des stations, finalement, ça va avec l'un dans l'autre. Alors, puis on est particulièrement bien, je trouve... placé sur Chamonix, ce type de stations hein, qui ont plus besoin que d'autres. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez même des belles perspectives de développement et puis du vrai travail à venir pour aller rendre l'application encore plus, j'allais dire sexy, mais c'est un mot que j'emploie souvent allons-y. Justement sur le côté digital. Donc, on va l'améliorer en plus. Et déjà, on est présent bien ailleurs que Chamonix, souvent, en tant que, on entend. Et on sait que Chamonix est un peu focus sur son nombril. Mais clairement, c'est bien aussi, on est tous mais différents. Aujourd'hui, voilà, quand je viens ici et je vois les belles montagnes d'Isère, il y en a des belles montagnes partout. Et on est déjà bien présent partout en France. Et c'est pas mal, hein. On est bien aussi. Pour nous, c'est les plus belles, bien évidemment. Chamonix, il y a quand même de la concurrence. Hein.